Alors, la randonnée du Levant est à sa deuxième édition. Nous l'avons créée pour rassembler, pour fédérer un peu tous les passionnés de rouleurs dans le département, avec les clubs, blues rouleurs, en avant rouleurs, et tous ceux qui veulent, qui s'adonnent régulièrement sur les routes à la pratique du rouleur. C'est une manière pour nous de montrer que ce sport existe, c'est une discipline qui est ludique, qui se fait en famille, et qui est aussi aujourd'hui une discipline sportive, puisqu'elle est devenue discipline olympique depuis 2017. Et ce qui nous manque, sincèrement, ce sont des routes. Hein. Nous avons encore trop de trous dans les routes, il n'y a pas de pistes cyclables. Nous sommes ennuyés et nous avons vraiment envie de porter cette discipline au niveau de nos décideurs, pour pouvoir améliorer encore cette pratique et nous donner de l'espace en meilleure sécurité, on va dire. Au niveau de la Guadeloupe, il y a une forte demande du roller, notamment au niveau des scolaires. Et effectivement, on n'est pas en mesure aujourd'hui de satisfaire cette forte demande, que ce soit en TAP, en NAP, sur les temps scolaires. Donc, on a vraiment un besoin de faire de la formation, de former des jeunes qui sont déjà titulaires soit de BPJEPS et de créer des unités de compétences de roller, soit autour du brevet d'initiateur fédéral, et de façon à satisfaire cette première demande. Alors, bien sûr, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai développement des clubs et qu'il se crée des clubs. C'est facile de créer un club aujourd'hui, c'est 3 personnes. Et créer des clubs un petit peu sur toute la Guadeloupe de façon à vraiment construire un maillage territorial. La journée est bien commencée, on a eu un bon départ donné par monsieur le maire de Saint-François. Puis on va continuer jusqu'à la pointe du château et autour à Couler, où on va passer une bonne journée après à Couler. Alors le plus jeune, je crois qu'il fait 4 ans. Le plus jeune a 4 ans. Et le plus vieux, je crois bien que c'est moi, 65 ans. Voilà. Sinon, il y a de tous les âges. Les enfants sont beaucoup plus nombreux et les parents suivent.